On continue avec un duel assez inattendu. Autant vous dire que je pense que comme affiche, on ne peut pas faire mieux ici à l'ESWC. On va avoir un Anglais, et c'est le plus jeune, il a 14 ans. Et face à lui, il y aura une Française, et la doyenne de cette compétition, et elle a 31 ans. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Chaza et Dina. Wouh! Installez-vous. Un petit mot rapidement, Chaza. Il doit être forcément très heureux d'être là. 14 ans, il est sur la scène et il se bat pour continuer dans la compétition, la Just Dance World Cup. You must be very proud to be here today. You're the youngest dancer on stage and you're actually competing for the world title. Yes, I'm very excited. I can't wait to see some of these dancers. Yep. Donc il est très heureux forcément, il a qu'une envie, c'est forcément d'aller danser. On l'applaudit bien fort s'il vous plaît, Chaza. Face à lui, on l'a vu plus d'une fois sur cette scène, c'est une championne de France multititrée qui va tenter encore une fois d'aller tout au bout de cette Just Dance World Cup. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver ici face à un si jeune danseur? Bah déjà, ça fait très plaisir de se retrouver ici sur cette scène, ça c'est clair, j'en rêvais, donc je suis bien contente d'y retourner. Et après, bah, qu'est-ce que ça fait de danser contre un si jeune danseur? Bah, c'est très excitant, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Applaudissements pour Dina! Mettez-vous en place, vous allez danser sur Ariana Grande. Ce sera Break Free et ce sera le premier point entre les deux joueurs. Dina est en orange, Chaza est en rouge. Allez! Coude à coude en termes de points, c'est Chaza qui est devant pour l'instant. Les points sont très serrés, les perfects s'enchaînent. On a dépassé les 4 étoiles, on arrive bientôt sur la dernière ligne droite.
Ça s'est joué, je pense, à peine 30 points, ça c'est rien. Et c'est Chassa qui marque le point sur cette chanson. Regardez-moi ces scores, ça monte très très haut. Regardez ça, oh là là, je veux voir. 13 211 et 13 142, on peut les applaudir. Les scores sont énormes. Venez à côté de moi, come with me, join me. Donc, Chassa a donc son premier point grâce au jeu dans cette première manche. Barbara, bon courage. Il y avait une sacrée énergie sur cette scène et beaucoup d'engagement. Il va falloir trancher sur le style qui vous a le plus touché. Wow. First of all, just I want to say just one thing. We can see Dina and Charlie. It's a young people with a real woman, wonderful and powerful woman with a guy is young and he share each other with a dance and Just Dance. It's patient. It's wow. For me, this is Just Dance. So I go. Il faut choisir. Donc il y a beaucoup d'énergie, bien évidemment, du côté de Dina. C'est très dur quand on est jeune. Et pourtant, il y a énormément de passion et d'énergie, on le sent bien. Alors Barbara, il va falloir trancher. For the young energy of Charlie. Yeah. Donc ce sera Chassa qui marque son point grâce à ce vote. Olivier, je peux quand même avoir ton avis sur ces deux danseurs. C'est dur à départager, deux styles différents. Really, really impressive. Especially considering you're so young. I'm impressed. But my point goes to Dina because she was more precise in the moves. So you have a lot of energy, but you have to, contain it and use it to the best. Donc un vote qui va quand même pour Dina, vote to Dina, pour sa précision, alors que de l'autre côté, beaucoup d'énergie, mais pas assez de technicité peut-être encore. Eh bien, mettez-vous en place. Deuxième manche, pour l'instant 1-0 pour le joueur anglais Chassa. Et on repart avec Ultra Club 90, What is Love. C'est un classique. Et ça démarre déjà, c'est parti. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Et là, il y a tout qui compte, hein. L'engagement est total. Dina vient de passer devant au point, ça se joue à rien. C'est Chassa qui passe devant. Allez, ça se bat dur. Dina est passé devant. Ça change de coin, ça change de côté à chaque fois. Qui va l'emporter? Regardez, les jauges sont très serrées. C'est la fin bientôt de cette chanson. On donne tout. Don't hurt me.
fin de la chanson. C'est Dina, je crois, c'est bon. Oui, c'est Dina qui marque le point. Ça joue à 10 points. Ça a changé de camp tout au long de ce match. C'est bien ça. On peut applaudir bien fort Dina qui marque le point du jeu. Et c'est encore une fois du délire. Voilà, ça se joue à rien. Vous êtes des grands malades. Bravo. C'est de la technicité de haut vol. Et il y avait encore une fois beaucoup d'engagement sur une chanson qui est énormément dans l'incarnation finalement. Olivier, pour qui valait ton point? I kept watching The Crown, you know, switching sides like 10 times. Too much suspense. I think you're gonna have a heart attack. Really hard to decide. C'est difficile de choisir. On a vu le match, ça s'est passé de à chaque fois d'un côté puis de l'autre. But I have to give my point to Chaza because I felt like it was our coach. I said to Barbara, we can fire our coach and hire him instead. It's so much better. Il a vu le coach de la chanson, il l'a trouvé très bon, mais mieux peut-être que le coach qu'il y a dans le jeu. Donc le point va pour Chaza. On est à un partout. Barbara, il faut trancher dans cette deuxième manche. So si tu difficult. Donnes le point à Dina, on continue sur une troisième manche. Si c'est pour Chaza, ce sera la victoire de ce duel. Ça a l'air d'être très très difficile de trancher. It's difficult, yes, because so Charlie, you really keep my intention during all the song. You embody the character very well. You enjoy on the stage, and that's the thing for me, so I give my point to Chaza. C'est Chaza qui remporte le duel grâce au vote du jury. Applaudissements, bravo tous les deux. C'était un sacré match qu'on a eu sur scène. Merci beaucoup. Je vous laisse repartir. Thank you. Merci beaucoup.